Eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à la 220 de chez Synaptic Simulation, ils ont révélé plusieurs choses très intéressantes sur l'avion, leur avancée etc. En effet samedi ils ont fait un stream et dans cette vidéo je vais tout synthétiser et tout vous expliquer. Donc voilà, vous êtes au bon endroit si vous voulez savoir. Tout ce qui s'est passé durant ce stream, toutes les informations que l'on a pu avoir. Allez, c'est parti. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci vraiment du soutien sur la chaîne euh, depuis le retour. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis beaucoup moins régulier en ce moment que d'habitude. Mais euh, voilà, j'essaie quand même de faire euh, des petites vidéos euh, quand j'ai le temps. On a également le Discord en description, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et sur ce, on va passer dans le vif du sujet. Et effectivement, pour ceux qui ont vu la vidéo news où je parlais de la 220. Je vous avais dit qu'ils allaient euh, réaliser un stream tout simplement d'informations sur euh, la 220 euh, et donc qui se tenait euh, samedi. Alors le stream est un peu long, une heure 12 donc ce que j'ai décidé de faire c'est de vous synthétiser en une seule vidéo les points essentiels. Mais euh, voilà, je vais essayer quand même de vous détailler assez, euh, assez les choses pour que vous soyez euh, euh, bien au courant et que euh, vous sachiez euh, à quoi vous attendre. Et on va commencer tout simplement avec une première vidéo qui nous montre finalement avec plein de screenshots l'avancée de la 220. Alors il faut savoir que ces screenshots, ils ont été montrés euh, tout au long du stream. Et donc là, on a un bon récapitulatif. Euh, donc je vais tout simplement euh, vous les montrer et vous les commenter pour qu'on ait ensemble une première vue d'ensemble de l'avion. On commence tout d'abord avec la première image. On voit qu'elle se focalise sur le modèle extérieur. Alors il faut savoir qu'au niveau des textures, etc., ils sont encore en train de travailler dessus. Hein. On y reviendra plus tard. Mais euh, donc c'est normal si euh, tout n'est pas texturé. Ne vous en faites pas pour ça. Le plus intéressant pour moi, c'est quand même la réflexion sur le modèle. Vous voyez que vraiment, tout est euh, très bien smooth. Euh, on a les, les courbes qui sont bien dessinées. Pas de pixelisation sur, euh, sur les reflets. Euh, tout se reflète très bien. Ça, ça veut dire que c'est un très bon modèle 3D. Pour ce qui est des moteurs, on a une première vue, euh, on va dire, de face. Euh, qui nous montre quand même qu'ils bah, sont très bien réalisés. On va passer à la seconde image. Ici, on a une vue sur l'empennage et l'APU. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est encore un rendu, donc euh, c'est pas directement en jeu. C'est euh, sur le logiciel de modélisation. C'est pour ça que euh, les euh, lumières, elles sont pas exactement pareilles que que directement en jeu, tout simplement. Mais euh, voilà, rien à dire. Euh, il faudra voir quand ça sera texturé et quand ça sera fini. Mais de ce que je vois là, euh, c'est très prometteur. Voilà, on a encore une petite vue cette fois-ci du moteur et comme vous pouvez le voir, vraiment les reflets, ils sont très très bien réalisés. Donc la modélisation, elle a été très très bien faite. Il euh, ne vraiment, on voit aucune ligne polygonale ou quoi que ce soit. Euh, tout est vraiment euh, très poli, très très bien travaillé. Pareil pour ce qui est euh, du dessous de l'avion, bien entendu, avec les trains d'atterrissage. Voilà, ici on a une vue un peu plus en détail euh, du train d'atterrissage. Encore une fois, euh, les pneus sont peut-être un peu lisses, mais bon, c'est encore euh, en train d'être texturé, comme je vous le disais. Mais euh, sinon, au niveau des détails, regardez-moi le ressort, etc. C'est hyper bien euh, travaillé. On l'avait déjà vu hein, dans les premiers screenshots qui nous avaient. Euh, Montré il y a de ça quelques mois, mais ça fait que se confirmer et c'est vraiment très cool. Voilà, ici on a une vue du moteur comme on l'avait juste avant, et en arrière-plan on a le fuselage de l'avion en général. Et voilà, encore une fois, il n'y a rien à dire. Je vais pas vous montrer toutes les photos qu'ils ont faites parce que ça va être long quand même, mais voilà, pour vous faire un ordre d'idée, j'essaie de passer un maximum d'informations. Voilà, ici on rentre un peu plus dans la modélisation, il n'y a plus de texture et on voit que. Bah, ils ont fait euh, tout simplement euh, les volets et la modisation euh, des systèmes en dessous des volets qui permettent tout simplement euh, de les sortir ou de les rentrer. Et euh, vraiment, il y a un degré de détail euh, assez important. Et on voit que c'est des développeurs quand même qui se donnent à fond pour le projet. Et euh, bah, ça promet quand même un avion euh, assez qualitatif, je l'espère. Voilà, ici on passe maintenant euh, sur le modèle intérieur avec le cockpit. Alors, petite info que je ne vous ai pas donnée, la modisation, elle est finie à 100% et les animations, elles sont finies à 90%. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, en termes euh, de 3D, c'est fini et euh, euh, ça sera sûrement euh, plus euh, retouché. Donc, c'est vraiment la version finie euh, du modèle 3D et on y reviendra plus tard sur les performances. Mais euh, voilà, il ne faudra pas trop s'inquiéter. Euh, je vous expliquerai pourquoi, euh, pourquoi plus tard. Et euh, voilà, il y a tous les détails. Regardez les ceintures. Euh, qui sont, euh, qui sont très très bien réalisés, et puis euh, les écrans, le clavier, etc. Voilà, ici notre vue euh, du cockpit, mais cette fois-ci pour voir les sièges et euh, le derrière, tout simplement euh, de l'habitacle. C'est pareil, hein, franchement, c'est très joli à voir. À voir maintenant quand ça sera texturé, ça, c'est un autre problème aussi. Et voilà, on finit par euh, un petit screenshot euh, tout simplement euh, du panneau frontal, si on peut appeler ça. Je sais pas exactement le nom. Où on voit tout simplement les boutons. Et comme je l'ai dit, les animations sont faites à 90%. Ça veut dire que normalement, les boutons, on peut les activer, les désactiver, les tourner, etc. sans trop de problèmes. Voilà, maintenant que je vous ai résumé un peu tout ce qui est modèle 3D, euh, images du mode, on va parler maintenant plus en détail de tout ce qui est système, état d'avancement du projet, les performances également. Et puis différentes autres petites choses que je vais euh, vous partager tout simplement. Alors tout d'abord, on va parler euh, des avioniques, c'est-à-dire des systèmes de l'avion, du FMS, enfin, du MCDU et, euh, et de tout ça. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui défile, ils ont fait une démonstration avec la map. Donc euh, on, on peut tout simplement afficher euh, les chartes et euh, se localiser directement euh, sur euh, l'aéroport en temps réel pour voir euh, les taxis, etc. Et ça, ça a été rendu disponible grâce tout simplement à Navigraph et à leur API. Voilà, ils ont travaillé ensemble pour mettre au point une API qui euh, intègre directement dans euh, l'écran de l'avion euh, les chartes, et euh, voilà, on peut naviguer euh, d'une façon assez fluide dessus. Alors, seul point négatif, euh, bah, tout simplement, euh, pour y accéder, il faut avoir Navigraph et un abonnement. Sachant que ça coûte très cher, les développeurs ont annoncé également qu'ils sont en train de travailler, au moins pour faire un outil basique qui fonctionne, euh, une autre solution qui, elle, sera gratuite et qui reposera sur sûrement Google Street View. Alors, ils ont déjà fait euh, quelques tests. Euh, ils ont dit que c'était assez difficile parce que c'est open source, que donc il y a plein de gens qui participent. Euh, le format des données à traiter n'est pas le même pour chaque aéroport, et donc ça peut poser des problèmes. Mais euh, bref, sans rentrer trop dans les détails. Euh, ils vont, je pense, réussir à, à développer un outil basique si vous n'avez pas Navigraph. Ne vous inquiétez pas pour ça. Euh, moi, personnellement, j'ai confiance aux développeurs quand je vois déjà euh, l'avion qu'ils nous proposent. Voilà, ensuite, durant le stream, ils ont également montré tout le fonctionnement du système du euh, FMS. Et ils nous présentent les principales fonctionnalités de navigation et euh, de configuration de l'avion. Ils vont rentrer un plan de vol. Euh, et euh, vraiment je trouve euh, bah voilà de ce que je sais ça reproduit bien la réalité il faut savoir que tout est tactile hein. vous pouvez euh, directement taper sur l'écran ce qui est plutôt logique aussi mais euh, voilà il fallait quand même l'implémenter ils l'ont fait c'est plutôt cool et donc euh, on le voit naviguer sur différents menus il va euh, à un moment créer une route et euh, il va l'afficher sur, euh, sur euh, tout simplement euh, la carte et on peut voir que tout fonctionne euh, très bien ils insistent sur le fait que ces systèmes ils sont très réalistes et qu'ils ont beaucoup travaillé dessus et euh, qu'il est très précis. Voilà, ça c'est quelque chose euh, à savoir. Et enfin, ils disent euh, qu'il est euh, très bien optimisé. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les écrans ont l'air, euh, ma foi, assez fluides. Et il euh, n'y a pas l'air d'avoir de problème, de bug. Il arrive à rentrer ses points normalement. Euh, les menus s'enchaînent bien également. Donc... Euh écoutez euh, moi franchement j'ai hâte de tester ça même si on doit attendre encore un petit peu. Ensuite un peu plus tard dans la vidéo, il va y avoir un autre développeur qui va montrer euh, un peu comment démarrer l'avion et l'état euh, des systèmes pour démarrer l'avion actuellement. Alors je vais vous le montrer en vitesse mais en gros euh, bah voilà, il va simplement démarrer l'avion euh, la 220 quoi. Euh, avec euh, les différents boutons, les différentes manœuvres à effectuer. Alors, il faut savoir qu'ils sont dans le noir, je pense, parce qu'ils n'ont pas encore fait les textures et qu'ils ne veulent pas euh, montrer un copy de gris. Hein. C'est pour ça qu'ils sont euh, dans le noir dans la nuit. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est pour ça. On peut voir également le terrain. Euh, voilà, ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur euh, un terrain custom et comme vous pouvez le voir sur les écrans des fois, eh bien, euh, il est vraiment custom. Hein. C'est vraiment pas le terrain euh, de Azobo de base et ça fait plaisir. Donc euh, donc voilà, et comme vous pouvez le voir, il est en train de démarrer euh, et de montrer un peu les différents systèmes, les pompes, euh, le bleed, etc., euh, qui est en train de s'allumer. Et... Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il peut démarrer les moteurs. Alors il n'y a pas encore de son dans les oreilles. Euh, ils sont également en train de travailler dessus, mais je reviendrai euh, sur ça plus tard. Maintenant que nous avons vu un peu une overview euh, de l'avion, que ce soit extérieur, intérieur ou des systèmes. On va parler des performances. Ils ont eu une grande discussion euh, pour répondre finalement à ce problème de performance. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, dont sûrement euh, beaucoup d'entre vous, dont moi. Et donc, euh, bah, je vais tout simplement vous dire euh, ce qu'ils ont dit en faisant un résumé. Alors, euh, déjà, on, dans un premier temps, il faut diviser euh, euh, l'avion en trois parties. Le modèle 3D, puis après on a les textures, et puis après on a les systèmes de vol, donc les avioniques. Alors il faut savoir que, euh, avec les technologies récentes, que ce soit avec les nouveaux PC, avec euh, bah, justement euh, FS 2020 qui apporte quand même euh, une grande optimisation, le problème il ne vient pas du modèle 3D. Donc s'il y a beaucoup de détails sur un modèle 3D, ce n'est pas ça qui va causer des lags euh, sur euh, votre SIM. Pour comparaison, on peut prendre l'exemple tout simplement euh, du modèle 3D intérieur de l'avion, il faut savoir qu'ils sont actuellement à 1,9 millions de polygones sur ce modèle. Alors ça veut dire qu'en gros, toutes les faces elles sont composées de 1,9 millions de polygones pour faire simple. Et donc plus on a de polygones, plus on a de calculs à faire au euh, niveau GPU. Donc pour ceci, on a 1,9 millions sachant que sur FS2020 actuellement, il y a des euh, développeurs qui vont jusqu'à 17 millions de polygones. Pour un cockpit, donc pour vous dire 1,9 million, 17 millions, vous inquiétez pas pour ça. Euh, ils ont très très bien optimisé leur modèle 3D, même si ça peut paraître beaucoup, normalement. Euh, les performances, ça ne va pas se jouer là-dessus, mais plutôt sur les textures et euh, sur l'avionique. Euh, pour ce qui est des textures, ils sont en train de travailler dessus, mais euh, ça prend du coup beaucoup de temps parce qu'ils veulent faire ça bien et qu'on n'est pas euh, tout simplement des pertes de FPS à tout va. De plus, faire les textures, c'est extrêmement long tout simplement parce qu'il faut faire tout à la main. C'est-à-dire que vous voyez les 1,9 millions de polygones, il va falloir euh, ce qu'on appelle UV mapping, les unwrap, donc les déplier, Déplier tout le modèle 3D et euh, coller la texture, on va dire, dessus. Et quand on doit déplier 1,9 million de polygones, je peux vous garantir que c'est très long. Donc c'est normal euh, que euh, tout n'est pas encore texturé. De plus, euh, mieux on va faire ça, plus on va avoir un gain de performance élevé. Et c'est donc pour ça que c'est l'une de leurs priorités. C'est tout simplement de réaliser de bonnes textures et euh, d'avoir un bon processus euh, de texturing. Il faut quand même savoir qu'ils ont fait des premiers tests et euh, ils ont été plutôt concluants au niveau des, des FPS. Alors maintenant, on va parler des systèmes. C'est ce qui bouffe aussi énormément vu que ça va être toute la partie calcul, que ça va donc euh, engendrer beaucoup de performances au niveau du CPU et du GPU. Il y a beaucoup de choses qui changent euh, dès que vous allez monter, descendre. Il y a plein de données qui vont s'afficher sur les écrans. Ça, euh, plus le taux de rafraîchissement, il est élevé. Plus euh, ça va travailler parce que ça va se refresh de plus en plus vite. Donc euh, ça c'est normal que ça va prendre beaucoup beaucoup de ressources. Et donc ils sont en train de travailler avec la technologie de chez Microsoft. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais en gros ça permet euh, d'optimiser au maximum les euh, systèmes avioniques pour euh, avoir le maximum de FPS en jeu directement. Donc euh, voilà pour les systèmes. C'est très bien parce qu'ils mettent vraiment l'optimisation du modèle au cœur de leurs priorités. Et euh, bah c'est très bien parce que finalement tout le monde pourra jouer dessus. Contrairement peut-être à un Phoenix qui est certes maintenant un peu plus optimisé et euh, peut-être dans le futur qu'il sera encore plus. Euh, on aura un A220 qui sera annoncé en tout cas plus optimisé que le Phoenix. En effet, euh, les développeurs se situent entre un avion Azobo de base et euh, le Phoenix A320. Donc en, en gros, on pourrait se situer en, aux alentours d'un PMDG 737. Par exemple, je pense. Mais euh, du coup, euh, si euh, ça s'avère vrai, on n'aura pas de soucis à se faire au niveau des performances. Maintenant qu'on a fait le tour des performances, on a une autre petite question qui était venue euh, de la part de la communauté sur la cabine. Alors il prévoit de sortir euh, une cabine. Il faut savoir qu'ils sont pas encore en train de la réaliser. Mais apparemment, euh, ça arrivera un peu après, voire même euh, pendant la sortie euh, de l'avion. Vous n'attendez pas à la voir directement, peut-être qu'on l'aura euh, quelques mois plus tard. Mais de toute façon, c'est pas non plus une des priorités d'avoir une cabine. Hein. Pour ce qui est de la documentation, euh, voilà, de l'avion, euh, comment l'allumer, quelles sont les différentes procédures à effectuer. Alors, ils vont pas faire comme Flybywire une documentation ultra complète sur euh, toutes les faillures, etc. Mais ils vont quand même faire un guide pour débutants qui sera très complet et qui permettra simplement, pour un débutant qui ne connaît pas l'avion, euh, de pouvoir le démarrer, voler avec, euh, atterrir, euh, toutes les choses comme ça. Et peut-être dans le futur, ils compléteront leur doc. C'est pas non plus un de leurs grands objectifs. Hein. Ils préfèrent euh, tout simplement développer l'avion dans un premier temps. Pour ce qui est du modèle de vol et de la physique, ils ont commencé à le faire euh, il y a à peu près deux mois. Et euh, ils cèdent de Flybywire et de leur autopilote par exemple, euh, parce que bah Fly commence à avoir un autopilote assez performant. Et comme ils sont, on va dire, en collaboration avec eux, euh, ils doivent céder, etc. Donc. Franchement, je pense qu'il n'y aura pas de problème aussi à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, ils ont de vrais pilotes euh, qui testent leurs avions. Euh, voilà, il y a eu des sessions où ils testaient euh, le degré euh, de réalisme de l'avion, les retouches, etc. qu'il fallait faire. Et ils ont également des ingénieurs qui leur donnent euh, plein de documents, des photos, etc. Donc euh, voilà, il y a vraiment euh, un grand engouement dessus et une bonne équipe derrière qui s'occupe euh, euh, de l'avion. Donc pas de souci à se faire là-dessus et sur le modèle de vol. Enfin, une grande question également, le charrette cockpit, le cockpit partagé, est-ce qu'ils vont en mettre un en place Alors, apparemment, c'est difficile de mettre en place car euh, les données euh, que l'on modifie, euh, par exemple un bouton, ils sont stockés de manière locale dans le SIM ou euh, sur votre PC. Et donc, c'est difficile de le partager sur un autre PC, mais ce n'est pas impossible. Donc, ça ne va pas être non plus euh, la première chose qu'ils vont faire, mais ils disent quand même qu'ils ont vraiment envie de pouvoir voler à plusieurs dans l'avion dans le futur. Donc, il faudra s'attendre sûrement à euh, peut-être six mois, un an plus tard, la sortie du charade cockpit, mais ce euh, ne sera pas pour tout de suite. Par exemple, la différence avec Your c'est que Your Control, lui, il va enregistrer seulement les données euh, de vol, c'est-à-dire altitude, vitesse, etc., position, et euh, il va lire les touches et donc va les répliquer sur euh, le PC. Euh, euh, en remote donc à distance et euh, le problème de ça c'est que euh, on va pas avoir vraiment une synchronisation efficace c'est à dire qu'on va pouvoir avoir des trucs affichés différents sur euh, l'écran etc et donc euh, eux ils veulent faire vraiment un charade cockpit euh, très très professionnel on va dire où tout sera 5 de manière euh, détaillée et euh, voilà c'est pour ça qu'ils qu vont euh, sûrement en faire un mais euh, encore une fois euh, ils le sortiront sûrement euh, quelques temps plus tard euh, après avoir sorti euh, l'avion en lui-même. Et enfin, pour les sons, euh, voilà, je vous avais dit qu'il n'y avait pas les sons euh, pour ce qui est euh, du démarrage des moteurs, etc. Ils sont en train de euh, les implémenter, ils ont déjà le son de l'APU, le son euh, du ground power unit, des choses comme ça, et euh, apparemment, ils disent qu'il ne faut pas... Qu'on S'en fasse pour ça, donc euh, je vais vous dire, ne vous en faites pas pour ça. Euh, ils sont en train d'implémenter tout simplement les sons. Après, on ne les a pas fait écouter, mais je pense qu'ils sont en train de traiter, de les enregistrer, les masteriser, etc. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà pour ce qui est des principales informations durant le stream qui était donc euh, le samedi euh, 22 avril. J'espère que ça a été clair. Voilà, la vidéo est peut-être un peu plus longue que d'habitude. J'ai beaucoup parlé d'ailleurs, j'ai soif, mais euh, voilà, dans l'idée. En global, quand même, on a un avion qui est bien, bien travaillé, qui a beaucoup de détails. Et moi, je pense franchement que ce sera un très, très bon avion à sa sortie. Alors maintenant, au niveau de la date de sortie, on n'a aucune communication dessus. Comme vous pouvez le voir, hein, l'avion, il n'est pas encore développé à fond. Il n'y a pas les textures. Ça, euh, ça viendra. C'est normal qu'il ne se prononce pas encore sur une date de sortie. Mais d'après le travail qu'ils sont en train de, de faire, je pense d'ici un an, voire deux, euh, il devrait sortir, voilà comme je vous le dis à chaque fois, hein, mais c'est mieux euh, que ça prenne du temps et qu'à la sortie ça soit un, un bon mode que euh, le sortir trop tôt et qu'il y ait plein de bugs et que ça soit un fiasco. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous pensez qu'il va sortir, ça m'intéresse. Et euh, voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à me les poser également en commentaire ou alors sur Discord directement si vous avez des informations supplémentaires, que ce soit sur la 220 ou autre. N'hésitez pas à me les dire également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une vidéo. C'était Tig. Allez, ciao